Karibu, karibu. Pele manafungula mancho mnene. Ehe, atala. Analuka luka. Bo, aparamam pelembe. Kama Paulo Shibambe ya Samueli. Samueli kama sifufuke paga la sema. Ya Yohane, wala. Ale, mulo. Mimi c'est une incompatibilité de poids entre Dragon 4x4 et voilà, Saddam qui réplique avec une tête. Voilà, un coup. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Un coup de tête, ça ne tient pas toujours, ça sera les power bombes. Voilà. Il s'appelle Mulozi Loubari, vice-champion du club Odari. Mulozi vient d'arriver avec sa jupette, avec tous ses éléments. Il faut rappeler qu'il est la photocopie. C'est un petit peu conforme d'un Pelembe Waloufou et on attend l'arrivée d'un Pelembe Waloufou, un Mukishi Pelembe que nous connaissons très bien, qu'on appelait à l'époque Mekisedek. Voilà, mesdames et messieurs, voici l'arrivée du catcheur Mekisedek Pelembe Muntunzambi qui vient d'arriver avec une canne qui a une forme tout à fait particulière. Pelembe qui vient d'arriver avec des calots qui tient bien sûr son bassin d'eau. Oui, on est sur Nyangula, des calots, on est sur Nyangula, bassin, il y a Pelembe Waloufou, Arqua attendu, mais pas déjà Sakuyamo parce qu'il était attendu après ma période du mois à conversion. Allez, tout le monde a Chabu Chafu, Chabulongo. Allez, Pelembe, allez, pas la maille, Mukichwa. Pelembe, je suis là, apparemment, maille, combien? Ni 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 super danger, maille, Pelembe, maille, Bantu Bengine, maille, ni ni ni. L'eau, c'est la vie, hein? L'eau, c'est la vie, faut qu'on y a maille. Il y a un musicien qui a dit ça, qu'on fait le midi, donc, maille, ça n'est maille, donc, l'eau est vraiment indispensable, sans eau, pas de vie. Et sous les rings, mesdames et messieurs, vous découvrez un Pelembe qui est déjà contrôlé. Il est en train de se faire contrôler par l'arbitre Bamayo. Et Mulozi, il est la photocopie d'un Pelembe à l'époque. Oui, à l'époque. Mais c'est déjà changé. C'est déjà changé parce que qu'il a monté une fois carrière solo. Pelembe Nikachar a rendu Zamani Sana. Mais Mulozi a rendu Zamani. Parce qu'il y a une différence entre Zamani Sana. Zamani Sana est égal à l'époque. Mais Zaman est égal à Ané Fulani. Voilà. Premier contact. Allez, Mulozi. Non, il peut les mettre récupérer. Coupé. Monsieur le spectaculaire. Trésor Kazadikala là. Pitabex, Sunta Mulumbu. Allez, Mulozi, on a travaillé un Pelembe. À part tout poudre, là, il y a un Pelembe. Sinon, car on a une poudre, il fait quoi ça? Il monte au moins à combat à Paring. Allez, Pelembe. Pelembe. Nous saluons notre ami Stéphane Nawez. Allez. On en a vis-à-vis. Wapi. Projection, il y a un Pelembe. On projetait Mulozi. Deuxième projection, il y a Karibu Karibu. Pelembe, on a fait la manche au Mnene. On a une Dachini. Il faut rappeler, nous rappelons Christine Zéou. Que Pelembe a fait 10 ans dans l'église de réveil. Après, il est revenu. Et quand il était revenu, son premier combat, c'était toujours face à Mulozi. C'est une histoire qui se répète. Oui, l'histoire qui se répète. Parce que le premier combat, c'est quoi Kumbele à Mulozi? Je crois en 2014. Kumbele à Mulozi a réuni quel combat. Parce qu'il est sorti en moto, ça, le stade était archi comble. Allez, Anna Mujungluka, Kintu! Alors, pika Mulozi, Kumukongo, Mulozi anenda chini. Allez, on a shimama pole pole. Utona sani muntu mwena kombana. Ça me rappelle aussi combat ya Mulo ya Pelembe contre machine de guerre Tikinya. Wakuka sumbalesa. Allez, Pelembe na katala. Pelembe na katala. Kichwa kingine Pelembe na katala. Ana luka luka. Bon, apparemment Pelembe, c'est pas mon système. Il y a ça là, Jazzy. Oui, tu peux la laisser maca. Na tout le monde a les mouvements. Na réponse. Artupakayo, allez. Bangoko Tampelembe.
pele mbele kumbasho mweka kumkwa nane ba mweka mapudre mingi sana. Ah, nikona sema mba poudre de champ. Ils ont de frotter la tête d'un Pelembe avec de la poudre et on les frappe avec un tissu. Pelembe est KO. Les comptages commencent. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Il n'y a pas 8. Mukishi, à la Mukishi. Mukishi wa lwendo a récupéré Borake, apparemment chaque fois il funga deux fois. Allez, alomba na mai. Oui, c'est Décalo qui introduit ça. Décalo a savé sa soutane qui est un tout petit peu déchiqueté. Voilà, c'est la chanson de l'apostolo qui est en train de se faire entendre de l'autre côté. En étant sur le ring, c'est Mpelembe qui tient sa canne et Mulozi qui tient son tissu. Voilà, Mpelembe qui prend son bassin d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Un peu d'eau sur Mulozi. Encore de l'eau sur Mulozi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il va se débarrasser de son tissu. On le tire. Nakubatiza. Muntina Paulo. Kama Paulo Shibambe ya Samueli. Samueli kama sifufuke paga nasema ya Yohane wala. Ale Mulozi atatwanga kichwa. Wapi Mulozi anakatala. Pelembe chinyi. Chinyi. 1 2 3 wapi Pelembe anakatala bien. Anamukobola sasa ya kalme. Oh, kama ni anani? Ile nyingine nayo ni anani? Ya mwisho. Oh, Mulozi kao. 1 2 Arbitre anakuwa na konte arbitre Bamayo. Mulozi anakuwa plante chini. Pelembe. Anamugeukia. Anamwikaria. Ya. Calme. C'est 10, qu'est-ce que c'est? Victoire, il y a Mpelembe Walufu. Oui, fondamentalement, c'est content. Il a jugulé quand même. Il a sauté un tout petit peu. Et on attend l'arrivée d'un Mpelembe. Voilà, là, c'est Mpelembe qui va jeter un peu d'eau sur. Il va asperger de l'eau sur Mulozi. Et Mulozi vient de se réveiller. On vient de le pointer un coin. Voilà. Mulozi qui a récupéré ses esprits. Mpelembe, combat, allez, où il y a un Mulozi. Il n'a plus tâché. Sans commentaire. Victoire sans commentaire. Tu veux me le dire? No comment. Mulozi, Bakou n'a jamais vu que Pelembe. Ah, Pelembe manenuina. Mais n'a pas ta défaite. Ah, il y a nenuina numéro 1 maya, il n'a mai le ni lawa. Ah, il est membre à ma église in Biabongo. Ni malawa il est. Ba fanatique Bakou et tu vas on n'est pas comme on est dans quoi voler. Ba chichouke, kama na chouka ba teni patate. Ah, minta choka. Ah. Messieurs, voici l'arrivée du catcheur Dragon 4x4. Ce sera le premier combat de la soirée parce que. Donc, on commence par le deuxième. Peut-être le premier combat sera le deuxième. Le deuxième, maintenant, c'est le premier. Donc, Dragon 4x4 vient d'arriver. Oui. Il est du Tanganyika, de Kalemie. C'est une autre province. Dragon 4x4 n'est pas seul. Il est venu avec Sendama Angatabor qui est venu l'accompagner. Et c'est le contrôle de l'arbitre qui est sur le ring, s'appelle arbitre Ali Baba. Et voici l'arrivée du catcheur Saddam. Voilà, Saddam Chris Nzeu est au cadrage d'ailleurs. Il faut rappeler également que Saddam lui est du club Safari. Bonsoir Chris. Bonsoir, bienvenue Kamunga de Champ. Bonsoir Kuba téléspectateurs et à télévision Canal Lubumbashi. Bonsoir Kuba amoureux et catch Katangé africain congolais. Pour la deuxième fois ou encore deuxième journée à 6e édition du championnat provincial et catch à Katanga qui est organisé à Pamoussade. Kiba Samaliba, Turakwa au moins jeudi le 25 août 2016, Turakwa Patikana Oku na ini premier combat. Gloria! Gloria face à Saddam, il a quoi ni Dragon 4x4 en combat contre Saddam au club Safari, président Super Danger champion de Lubumbashi. Allez, premier contact ni catcheur Saddam, il a quoi na travailler mbele Monsieur Gloria. Allez, amvinya mukulu
Ça prouve déjà que le Takanimo Tuangu, parce que Saddam a Chongo Pakia, Saddam c'est un bon catcheur, malgré Taïaki, il y a un fou pisana, face à lui, il y a un tumbo à Munene, Mulefu, très fort. Allez, bienvenue à Munga de Champ. Voilà, merci Christine Zéou. Le combat a déjà commencé. Le catcheur Dragon 4x4 est dans l'impasse, parce que Saddam vient d'infliger quelques coups. Voilà, c'est Gloria, on appelle Gloria pourquoi? Parce qu'il a toujours crié Gloria, il rend grâce à Dieu en toutes choses. C'est Saddam qui subit la frappe, un coup de coude, un autre coup de pied sur la poitrine. Christine Zéou, il y a quand même une certaine incompatibilité des poids entre Dragon 4x4 et Saddam du club Safari. Il y a bien bienvenue Kamunga, mais ça veut le catch ni catch, il y a un membre poids, en judo, en lutte. Ana box, voilà. Donc ni catch, kila muntu anapashi pa kukumbana, kufatana na haji, kwe nini, anapashi kukumbana, me hapa tunakua naona ke ule na travaye bia nguvu sana, bia unafika na mbali na kwa ni Dragon 4x4, ndu kwetu kutoka pale Kalemi, mu province ya Tanganyika, donc kwa vraiment mwantante ya Tanganyika, ale, anamurekipire, deuxième projection, ni mkono, inakua nasufiri mkono wa Saddam, ale, anamufinyanga tena murikwapa, anakunja yo tena mara nyingine mlikwapa, ça prouve déjà que combat itakuwa nguvu kwa Saddam mais un peu facile kwa catcheur wa kutoka Kalemi. Gloria, bienvenue Kamunga. Voilà, Chris Zéou, le combat se poursuit avec l'arbitre Ali Baba. C'est un arbitre, un doyen des doyens, hein, même vous pouvez me le constater à travers sa démarche, une démarche qui est un tout petit peu lente. Et l'arbitre Ali Baba qui demande la vie de Saddam, est-ce que Saddam va abandonner parce que Dragon veut infliger une soumission, mais ça ne tient pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un coup de manchette. Voilà, Saddam qui réplique avec un coup de tête, voilà, un coup. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Un coup de tête, ça ne tient pas toujours, ça sera les power bombes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Sarah est tombée? Ou l'abandon? Voilà, il va effectuer également voilà, un deuxième parabomb. Et je vois Saddam, il est vraiment méconnaissable. Voilà, une, deux et trois victoires des Dragons 4x4 de Christine Zéou. Saddam, si vous me permettez, la pique à Gloria. Donc la pique à tout le monde, technique, parce que ça se voit déjà. Que Saddam a quoi même passé en gouvre arbitre a confirmé Ali Baba a confirmé victoire. Il y a Dragon 4x4 en Dukwe Toktoka Pale Kalemi, mon province ya Tanganyika. Allez, en Ashuka Chini, pourquoi? Parce que en Toka en tant que vainqueur et Saddam en Ashuka Chini en Toka en tant que vaincu. Merci Christine Zéou. Les catcheurs vont s'approcher du micro de la radio télévision Canal Bombashi pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de la victoire. On va commencer par Dragon 4x4. Voilà, Saddam, tu n'as pas parlé. Dragon 4x4, combat l'habite en Belgique. Bon, combat l'habite en ville, mais toi, Mkuyona. Donc, victoire, il est arraché. Le Aguna Gloria. Non, indépendant que mon pique, donc, c'est-à-dire, il y a un système à Mingi, mais il y a 4 à Mouili. Il y a frappe, il y a force, c'est pour ça que je vais utiliser Mouili. Dio. On est où, Kacher, on tombe bien, santé, après, quand tu en fais dans les Mingi. Bon, mini comme d'affaires, hein. Comme d'affaires. Il y a le Mbashi bien, il y a Kapakalimi. Niko Kule Tanganyika, champion à la province de Tanganyika, même temps, il y a ma fête, on a mis une femme Tanganyika. Ça va, on te va. Non, sentir mi te nyanganya. Mir toka Kalemi, gouverneur antipatia, bénédiction tu vas te bébé sentir tout peleke. Sentir mi te beba. Merci. Ok. DJ, combat il napita bien. Bon, combat il napita bien parce que combat, du coup, il s'est préparé bien parce qu'il championnat, il s'est préparé combat très bien. Mais vilain du coup, la saison dragon, dragon qui a tiré moi mon depuis Zamani. Mais les pima kunya naye alikuwa na ile précipitation mu rapide mais à la prochaine occasion mite hapa na mla kwanza uba convaincre parce que hapa na mimi nilikuwa njoo corriger bakuwa wengine ah bana bakuwa wote wanaanza unifika pour le moment na mimi niko na bon retour paka mui competition na championnat tunako wengine bakuwa niko na bon nisha.